Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce match à la base, je voulais faire Jey Uso contre Roman Reigns. Malheureusement, les Uso ne sont pas encore disponibles dans ce jeu. Et là, je prends une tôle. Mais du coup, je voulais faire pourquoi Jey ? Tout simplement parce que la WWE vient de nous annoncer qu'à Hell in the Cell, Jey Uso aura sa revanche contre Roman Reigns. Et du coup, pourquoi au final j'ai pris The Rock ? Parce que beaucoup de rumeurs disent que vu ce qu'il est en train de se passer, vu que Roman Reigns est en train de dire que c'est le Big Chief, le chef tribal, que du coup, eh ben, The Rock pourrait se ramener pour remettre de l'ordre là-dedans. Et du coup, on aurait The Rock contre Roman Reigns. Ah, WrestleMania. Moi, je trouvais que ça serait vraiment bien, ça serait vraiment top. Ça serait une bonne idée, mais après, n'abusons pas, j'aimerais vraiment voir du coup The Rock gagner. Mais si ça arrive, forcément, ce sera The Rock qui gagnera. Il ne faut pas abuser. Par contre, en ce moment, ce qu'il propose, je trouve ça vraiment top. Après, il faudrait pas qu'il y ait Roman Reigns contre Jey Uso jusqu'à WrestleMania, parce que sinon, ça serait vraiment super long. Malgré que Jey Uso, sincèrement, il m'a agréablement surpris à Clash of Champions. Donc j'ai hâte d'en voir plus. Donc je suis content qu'il y ait ce match-là en plus. Et je demande à voir ce qui va se passer. Et du côté de Roman Reigns, sincèrement, depuis le temps que Polyman s'est mis avec lui, je trouve ça vraiment super top, vraiment super intéressant. Alors que sincèrement, je suis loin d'être le premier fan de Roman Reigns. Mais là, pour le coup, sincèrement, quand il laisse un peu de liberté, c'est vrai que c'est relativement très intéressant. Et j'ai hâte d'en voir plus. Ils auraient dû proposer ça d'ailleurs il y a bien longtemps, mais bon, c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Et en plus, c'est bien. Parce que du coup, on voit les Samoa en avant. Et du coup, c'est vraiment super sympa. Mais comme je l'ai dit, il faudrait pas abuser, c'est le grand boss, le vrai big boss, ça reste The Rock. Donc, je vais le trouver dans 30 secondes. Wow. Eh ben non, je suis un peu trop enflammé, mais c'est pas grave. Ça va bientôt arriver. C'est juste une question de temps, c'est pas très grave. Je vais me soigner un petit peu. Allez, Roman, on va voir si t'es vraiment le big dog, le big chef. Là en face de toi, c'est quand même The Rock. Et The Rock, ça fait bien longtemps qu'il est là. Et il est pas là pour rien. Mais franchement, si vraiment ça arrive ce match, j'aimerais vraiment le voir à manière. Ça peut vraiment être super sympa. Eh oh, oh, on se calme, on se calme. En plus, on va pas que je vais perdre ce match là, parce que dans le dernier gameplay, j'ai déjà perdu. Donc faut pas abuser non plus. Et là pourtant c'est ma base. Oh. Ok, c'est un petit peu contrarié Roman. Mais on va essayer de régler ça quand même parce qu'il faut pas abuser. Ah et en plus il contre. Oh j'ai eu peur. Ah et ben si il me le contre encore. Eh ben voyons, pourquoi pas. Ah, tout ça, je vais contrer largement. Juste abusé. Là, faut que je me réveille parce que sinon, ça va être chaud. Je vais me soigner un peu quand même, ça va être mieux. Voilà. Pourvu que ça passe ce coup-ci parce que là, ça va commencer à être compliqué si je veux pas perdre. Eh, hey, pourquoi ça me fait pas. Ah, ok, c'est, faut que je le touche à mon avis. Voilà. Mais oui, forcément. This is awesome. Et là, c'est terminé, j'espère bien, parce que sinon ça va être compliqué. Voilà. Alors voilà, les gens, c'était surtout pour vous annoncer que Jey Uso aura encore un match contre Roman Reigns à Hell in the Cell. En plus, on apprend que j'en profite pour répéter que Sasha et Bayley auront la chance de faire le main event. Donc sincèrement, ce pay-per-view là peut être relativement super intéressant et j'ai hâte de le voir. Ensuite, j'en profite encore aussi pour vous informer, ne pas oublier le concours des Slam Attack Reloaded.
parce que j'ai vu quelques-uns, les derniers abonnés n'ont pas fait le concours et je trouve ça vraiment dommage. Profitez, c'est là pour ça, donc n'hésitez pas à profiter de ce concours. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de tout ça, tout ce qui tourne autour de Roman Reigns et de Jey Uso en ce moment. Et voilà, moi, commentez, et moi les gens, je vous dis à très vite, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, partager, tout ça quoi, et moi je vous dis à très vite, salut les gens!